Il était 18h quand la cérémonie prévue pour commencer à 14h a débuté au 7 rue Pierre Girard dans le 19e arrondissement de Paris, où le CADEB, Comité d'action pour le développement de la région de Bangoro, a reçu l'honorable Sat Evaris, député maire de la dite commune. Cette cérémonie avait un double objectif. 1. Un dîner débat dont le thème était pauvreté et développement, quelle solution pour Bangoro? Et en 2, l'investiture du CADEB. Prenant la parole, M. Delon Guilade Samuel, président du CADEB, a remercié toute l'assistance d'avoir fait le déplacement et a invité tous les fils et filles du département à adhérer à la structure. À la suite du président du CADEB, l'honorable Sat Evaris a fait le point de la situation sociopolitique du département. Il a exhorté les fils et filles de Bangoro à unir leurs efforts pour qu'ensemble ils agissent pour sortir Bangoro de cette souffrance. Au cours de son échange avec les journalistes ivoiriens en France et la communauté de Bangoro, l'honorable Sat Evaris a tenu à clarifier que la diaspora de Bangoro fait partie de cette solution. Il attend de cette diaspora plus de propositions que de questions. Chaque ressortissant de Bangoro doit se sentir concerné par le développement de la ville et se sentir en mission dans l'intérêt de Bangoro, a-t-il insisté. À la fin de son intervention, il a investi le CADEB comme structure officielle représentant la commune de Bangoro en France. Monsieur Collet. Oui. Le président, l'honorable Evariste Miamli, est venu à la rencontre de la... Au cours de son échange avec les journalistes ivoiriens en France et la communauté de Bangoro, l'honorable Sat Evaris a tenu à clarifier que la diaspora de Bangoro fait partie de cette solution. Il attend de cette diaspora plus de propositions que de questions. Des financements, des bailleurs, voilà ce que j'ai fait pour la famille. Et nous avons commencé déjà. Nous avons été élus maire le 21 avril. Nous avons été installés en tant que maire en fin juillet 2013. Donc, de fin juillet à ce jour, je crois que nous sommes très avancés dans tous nos démarches effectuées. Et d'ici janvier, vous verrez le fruit de tous ces travaux. Au niveau de la patrie, Côte d'Ivoire, il y a la patrie. D'abord, pour savoir si la patrie ou pas, il faut savoir ce que c'est un apatride. Et l'apatride, c'est un citoyen qui n'est reconnu par aucun État au monde. Un apatride, c'est un citoyen qui n'est reconnu par aucun État au monde. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des apatrides? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui y sont, que ce soit leur provenance, leurs enfants vont à l'école. Et même certains des comptes bancaires. Mais avec quoi on a ouvert ce compte bancaire? Avec quoi ces enfants ont pu faire les essais d'essence? Donc, c'est un problème qui est purement politique. Et donc, à l'Assemblée, il y a un groupe de députés qui a dit non
Alors, vous avez suivi sur la chaîne. Il a failli avoir des coups de poing. Il a failli avoir des coups de poing. Ça veut dire que ce n'est pas tous les députés qui étaient unanimes. On a parlé de Nelson et quelle la patrie. Mais aujourd'hui, on se retrouve encore. Donc, je crois bien que fallait que le chef de l'État devait se rendre aux assises de l'ONU. Donc, il fallait fortement ratifier cette loi. Sinon, c'est une loi tellement importante qui ne devait pas être débattue pendant une session extraordinaire. Puisque, à la fin de la première session, les députés, dans leur majorité, ont dit non à la loi. Donc, c'est logiquement à la reprise, elle devait être programmée. Et c'est pendant que nous étions en vacances parlementaires, certains États, moi je suis à Paris, quand on a été convoqués pour siéger, pour ratifier cette loi. Bon, je crois que la loi a été votée. Je ne vais pas aider une institution. Si j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai votée, la loi est déjà votée. Mais, dites-vous qu'il y a quand même des députés qui sont opposés. Donc, nous sommes dans une institution où il y a une majorité écrasante. Voilà. On s'est dit qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, quel que soit le propos, chaque député est libre. Certains ont voté pour, d'autres ont voté contre. Ce soir, si je vous dis que j'ai voté contre, bah, pourtant j'ai voté pour, ça ne changera rien. La loi a été votée. Mais nous, à l'Assemblée, beaucoup sont opposés. Mais on était en face d'une majorité. On ne peut rien. C'est la loi, la faute de la démocratie. La démocratie alimarienne a remporté. Donc, au niveau du foncier rural, j'ai eu à intervenir pendant près de 10 à 15 minutes sur le foncier. Je suis des bangolos, j'ai cet avantage d'avoir fait l'école primaire au village, avoir fait le collège à Bangolo, aller à Djokoué, Djimlo, et finir par Abidjan. Je suis un pur produit de la forêt. Donc, personne d'autre ne peut défendre cette forêt comme moi. Pendant 10 à 15 minutes, j'ai fait tout un tour. Il faut aller au-delà des Bangolo. Parce que nous sommes ouais. Que ce soit le ouais du sud, que ce soit le ouais du nord, on est tous ouais. Et nos problèmes sont les mêmes. Donc, tu ne peux pas poser le problème en termes de Bangolo. J'ai parlé du ouais en général. Ce que le ouais a vécu. J'ai la chance que pendant mes campagnes, avoir parcouru tous les vrais bâtiments de construction. J'ai vu des vrais comme quand ils rabattent avant la crise. C'est vrai quand il était un gros village. Mais le village qui a été construit pendant que la population de Kaye enfuit, qu'on appelle désormais Kerebana, est devenu plus gros, plus important que Kaye. Kerebana. Après Kaye, on partait à Bandiéi. Le nouveau village qui a été construit à Bandiéi pendant que la population de Bandiéi enfuit est plus gros que l'ancien village. Des Bangui. Ces blés sont peuplés aujourd'hui par nos frères venus d'ailleurs. Et donc, ce problème, je l'ai posé à la Fête nationale. Aujourd'hui, le Ouai ne peut plus avoir accès à son champ. Le Ouai ne peut plus avoir, il ne peut même pas aller cueillir du manioc dans son champ. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on parlait de droit des sols, de droit coutumier. Mais désormais, c'est le droit des âmes. Et là, j'ai fait un cas. Parce que tu ne peux plus parler, aller dans ton champ au risque de faire péter le crâne. Donc j'ai demandé même au commissaire du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que avant la crise, il y a eu nos frères venus d'ailleurs qui sont installés. Tout à l'heure, je le disais, le père peut faire parler à son frère, à son fils, parce qu'il s'attaque à son doula. On attendait mon doula, on va ouvrir. Là, c'est pas très bien. Mais c'est depuis la crise que pour des raisons politiques, aujourd'hui, nous sommes opposés à des gens, nos frères. Des gens sont venus de partout.
Dans le plan juridique, toutes les questions, ce n'est pas le plan de ceux qui ont vécu avec nous avant la crise. Mais c'est le plan de ceux qui sont venus avant la crise. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crois qu'avec la loi sur la nationalité, mais là, je vous dis que certains ne sont pas perdus. Nous avons une chance aujourd'hui. C'est l'identification de nos terres. L'État a donné 10 ans pour que chacun établisse son titre foncier. Mais au-delà des 10 ans, la terre est devenue sans propriétaire, sans maître, alors elle devient la propriété de l'État. Et j'ai posé la question au commissaire du gouvernement de savoir. Parce qu'aujourd'hui, pour identifier un hectare, il faut payer 10 000. Mais les populations n'ont pas 7 points. Pourquoi ne pas faire comme ça a été fait à l'époque, au temps de l'identification, où l'État avait facilité en offrant des fonds aux populations pour faire leur identification, les audiences foraines. Et donc, c'est un problème assez difficile parce que l'État a commis des experts et des géomètres. Donc, jusqu'à 10 000 francs, faire mettre dans la suite de 10 000 francs, c'est pas facile. L'État va voir. Mais ce que moi je vous demande aujourd'hui, c'est vrai, c'est la diaspora. Comme je le dis, hein, quand je dis je suis venu chercher la solution, mais je ne peux pas être un élu et puis ne pas avoir une solution au problème de ma population. Mais quand je suis venu ici avec la solution, vous me direz, mais quand tu as la solution, pourquoi tu es venu ici? C'est ça. Sinon, quand tu es candidat, peut-être tu as un problème à défendre. Si tu n'as pas de solution, mais pas de candidat. Mais vous êtes mes frères. On dit, quand tu fais frontière avec quelqu'un, nous disons, pour rien lui cacher. Parce que quand tu as été courbé pour labourer, tout ce qu'il va découvrir là, ça deviendra une honte pour toi. Sinon, en tant qu'élu, j'ai des solutions dont vous-même, vous faites partie de mes solutions. Laissons les cadres faire leur part. On parle de développement. Les parents qui font là, ce n'est pas le développement, mais c'est les parents politiques. Nous sommes là pour le développement. Aujourd'hui, comment aider nos populations? La société à Bangoro, c'est vrai. Moi, en tant qu'élu là, moi, c'est de faire la politique sécuritaire. Mais les moyens là, c'est vous. Mais aujourd'hui, tu es cadre de Bangoro. Tu es un ressortissant de Bangoro en Europe. Tu peux même offrir un véhicule à la jeune pour dire, en tant que fille de Bangoro en Europe là, on dit qu'à Bangoro il y a un problème matériel. Voilà. Mais moi aujourd'hui là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de vous encourager effectivement chacun à quel niveau qu'il est, être Bangoro. Mais mon rôle là, c'est développer une politique de développement et donc permettre aux frères, aux sœurs, aux investisseurs de venir investir à Bangoro. Donc c'est la demande que chacun fait auprès de vous. Pour qu'effectivement, nous sommes là. Moi, je vais recevoir des questions que les journalistes. Mais vous autres là, vos questions, mais si j'envoie ça là, ça peut arriver. Parce que vous avez posé. Donc, vous et moi, c'est la solution qu'on va trouver. Mais les journalistes, eux, leur rôle, c'est d'interroger et puis informer. Mais vous, votre rôle là, je suis venu, ce n'est pas pour me poser des questions. Peut-être dire que ouais, je vais le coincer. Non, non, je ne suis pas venu, pourquoi me coincer, hein? Je suis venu, pourquoi on mène à développer Bangoro. Vous voyez? Voilà, aidez-moi.
moi, je suis venu pour cette solution avec vous. N'est-ce pas, venu pour un conseil, sinon c'est déjà bien. Donc si j'attends de vous, aujourd'hui, je ne suis pas venu devant vous pour être au fauteuil blanc. Je vais vous mettre au fauteuil blanc pour dire, mais vous attendez quoi pour Bangolo? Donc, ne me demande pas ce que vous allez faire pour Bangolo, mais dis-moi plutôt, moi, aujourd'hui, là, voilà ce que je propose. J'attends plus de propositions que de questions. Voilà, plus de propositions que de questions. À la suite de son intervention, le député Saint-Évariste a procédé au baptême et à l'investiture du cadet. Et ici présent, je crois que dans un bureau, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui est dedans. Mais il faudrait que le bureau soit ouvert à tous les cantons du département de Bangolo. Et ça doit être une affaire de tout le monde. De tout le monde. Toi qui es le président, toujours il y a un problème de confiance. Parce que ici, là, c'est des gens qui très longtemps ont appartenu à des associations. C'est des gens qui très longtemps ont vraiment participé à des actions sociales au nom des Bangolo. Mais beaucoup ont été déçus. Cela est dû aux ajustements du président. Parce que quand ça va, c'est le président. Quand ça ne va pas, c'est le président. Donc il faut que le président... Aujourd'hui, ce n'est pas une association de dire on va danser, on va faire... Non. Aujourd'hui, là, on a fini de danser. Mais désormais, les rencontres-là, c'est des rencontres de remis des dons. On ne doit pas... Peut-être sûrement, on peut faire une cérémonie le soir pour quand même accompagner les dons. Mais ce n'est pas une association de boum. Non, pas du tout. Votre mission, là, vous avez en main le développement des Bangolo. C'est un grand outil. C'est une grande mission à laquelle je vous envoie. Je suis là, je représente Bangolo dans toute sa diversité, parce que je suis maire et je suis député. Donc tout acte que vous poserez, si c'est négatif, c'est Bangolo on voit. Si c'est positif, c'est Bangolo on voit. Donc vous avez les clés du domaine de Bangolo en main. Désormais, à Bangolo, il faudra que vos noms soient collés. Et là, d'ici là, jusqu'en février-mars 2014, Dieu voulant, à Bangolo, nous allons organiser la journée de la victoire. Et donc, vous serez représentés. Et en venant, même, je n'ai pas dit de venir avec des dons, mais c'est des démarches qu'il faut faire. Ça peut produire un an, trois mois, quatre mois après. Mais il faudrait que vous soyez porteur d'un message. Sans cela, je vous invite et que tout Bangolo compte sur vous, tous les Guémons comptent sur vous. Si vous avez des difficultés administratives, en tant qu'élu, nous pourrons vous faciliter par nos relations, par nos contacts, on peut vous aider. Je vous en remercie infiniment. Et bien ce soir, le président, professeur Bangolo, ayez la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et qu'au bout de vos affaires, vos activités, que le Seigneur vous accompagne, il vous donne sa main heureuse pour que tout marche. Tout marche. Parce qu'il faut que ça marche chez vous pour que ça marche chez Bangolo. Donc merci à vous. Merci à la presse. Vraiment concert. En tout cas, vraiment, c'est la première et que vraiment on dit à Canada, on dit à aider. Il y a Mouglé ensemble, il y a deux combats au Bénin. Donc vraiment, on va prendre acte et puis voir la suite. Il y a nous ensemble. Nous sommes prêts aussi pour la région de Bangolo. Donc voilà, c'est pour l'instant, ça me va voir au cœur. Ce que je retiens de cette réunion organisée par le CADEM en présence du député de Bangolo est une bonne chose pour l'élaboration et l'avancée de la région. Tout à l'heure, il a parlé de plusieurs points et de trois grands thèmes sur la santé, le travail et le développement. Je pense que ce sont des
des projets fiables pour aider cette région qui a souffert dans cette crise que nous avons tous connue. Pour cela, je tiens à encourager le CADEM et j'espère que pour la cause, ce dont cette association est créée, donnera vraiment des bonnes choses, posera des bons actes pour aider cette région. Je vous remercie. Alors, je suis très heureux que les fils et les filles de Mamoulo se retrouvent dans cette salle-là. La seule que j'ai compris, il y a un lobby qui est en train de se mettre dans le développement de Mamoulo. Alors, le message est passé à Paris. Nous sommes très heureux de recevoir M. le maire à Paris. Je vous remercie. À la suite de cette réunion, nous avons retenu un grand succès, un encouragement à tout le monde. Et nous sommes tous partants pour aider cette association. Et nous souhaiterions, comme je fais cette doléance, d'avoir une succursale sur Abidjan. Madame, vous êtes venue des États-Unis, pas spécialement pour ça. Mais qu'est-ce que vous avez retenu aussi? Vas-y. Moi c'est Cécile Niaé, je viens de Congolo, Yabou-Bolo. Je suis la grande sœur de Jeudi Témé. Je voulais dire également qu'il y a notre sœur Saline Eco Compagnie qui désormais peut faire vos courses depuis Paris et envoyer à vos parents à Abidjan jusqu'à Bangolo. L'ex-sac de riz, tout ce qui est course alimentaire, elle est capable de le faire. Merci. Je suis très heureux de connaître le maire, le nouveau maire de Bangolo. J'apprécie son dynamisme et son esprit d'ouverture. Et au sujet de la CADEF, je félicite le jeune Delon d'avoir créé cette structure pour le développement de Bangolo. Et ça permet au moins au département de Bangolo de vivre à Paris. Et nous ferons tout pour l'aider à réussir sa tâche. C'est vrai, je viens de Dupuy. Je suis là pour deux raisons. La première raison, c'est à cause de Varis, en fait, que le député maire, c'est un homme de cœur qui a agi. Et la deuxième raison, je suis venu observer, parce que nous sommes tous de la région, et savoir si aujourd'hui l'action menée par les jeunes, par les ressortissants de Bangolo fonctionne correctement, je suppose qu'elle peut faire tâche sur Dupuy. Et pourquoi ne pas les représenter aussi à Dupuy? Raison pour laquelle je suis là, pour voir ce qui va se passer, et je suppose que ça va marcher, pour qu'ils puissent avoir aussi des répercussions sur les villages et les départements environnants. Je te remercie. Un dîner en tout cas très copieux a été servi pour clore la rencontre. Merci beaucoup.